On compare deux espèces de Sparasis. À droite, le Sparasis crispa, qui est comestible, le Sparasis crépu. Et à gauche, le Sparasis brevip, qui est non comestible. Les grosses différences sont l'odeur. Odeur agréable pour le crépu, désagréable pour le brevip. La boursouflure qui est en haut de la spatule chez le brevip, alors que on a un aspect crénelé, dentelé, on dit crispé chez le crispa. Et les spatules sont un petit peu plus éloignées les unes des autres. Il y a des espaces entre les spatules. Le crispa, d'une manière générale, il va être plus compact. Voilà la différence. Le Sparasis crépu à droite, brevip à gauche. Comestible, non comestible.